Allez les amis, on y va, go!
Passez devant moi les gars, je suis trop loin derrière. Je suis trop lourd, passez devant moi. Passez devant moi. Yo les Français, yo yo yo. Baguette, 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 baguette. Ah, mais...
Attention, le travaux devant. Thank you.
Bah on a fait toute la route à deux, Fifi.
C'était un noble. C'est pas un noble. C'était un noble. Comment c'est un noble? Et il a mis aristocrate. Alors, je suis pas certain que vous connaissiez son prénom, vous connaissez son nom, et ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il a succédé à son frère à l'Académie française. Oh là là, quelle famille. Ah, on les appelle les frères... Oh, ils n'appellent pas les frères, parce que, pour tout vous dire, comme on les appelle régulièrement uniquement par leur nom, on n'en connaît qu'un, et on oublie qu'il y en a un des deux qui était lui aussi auteur de pièces de théâtre, sauf qu'on connaît mieux le frère aîné que le frère cadet. Et chose étonnante, c'est que le frère cadet a succédé à son frère aîné dans le même fauteuil de l'Académie française. Mais à quel moment ils ont créé le FBI? Diderot. Diderot. On cherche le 17e siècle. Ah, on cherche quelqu'un du 17e siècle. Mousson. Une rue, le grand frère a une rue. Villageois avaient été brûlés ou fusillés par une division SS qui rejoignait le front de Normandie. Le président de la République a lancé un message pour la nouvelle génération. Il a demandé aux enfants présents de transmettre l'histoire de ce lieu. En Grande-Bretagne, Theresa May lâche du lest. Ses deux chefs de cabinet ont démissionné. Cela fait suite à l'échec des conservateurs aux législatives. Jeudi, ils ont perdu leur majorité absolue au Parlement à quelques jours du début des négociations sur le Brexit. On vote demain, premier tour des élections législatives. Plus de 47 millions d'électeurs pour 577 députés. Les bureaux vont ouvrir
à 8h et le scrutin a déjà lieu en ce moment en Guyane ou en Martinique par exemple. Demain, édition spéciale sur RTL menée par Marc-Olivier Fogiel de 19h à 22h. Les courses, elles sont à Vincennes avec vous Bernard Glass. Et avec un rappel de l'arrivée du Quintet qui était la 5e épreuve, Olivia, le numéro plus 1852 et la bonne combinaison composée d'outsiders, le 16, le 12, le 6, le 18 et l'As. La 6e course, l'épreuve principale est revenue aux favoris, là le 9 Cara Williams à 41-10, le 2 Cheltenham arrivé second a été disqualifié à la suite d'une enquête tardive et la 2e place est donc pour le 6 Cliff du Pomereux, 1,60 devant le 8 Kate Griff, 1,60 également. 4e place pour le 3, la 7e, c'était un pic 5 et c'est le 2 Cicero Noah Pierre Verquis qui s'impose, 2,60 et 3,90 devant le 17 Crack de la Brosse, 2,80 et le 7 Calin, 10€. 4e place pour le 13, 5e place pour le 5, 2, 17, 7, 13 et 5, la 7e épreuve. Il y a encore deux courses à se disputer, les résultats complets, les pronostics pour demain à Auteuil, le 32-10, le site on refait les courses, bref. C'est complet, merci Bernard Glass. Le temps pour votre fin d'après-midi, c'est l'été, du soleil pour tout le monde. Les températures 19 degrés à Brest, 24 à La Rochelle, 25 à Rouen, 26 à Paris, 27 à Valence et 30 du côté de Bordeaux. RTL, il est 17h04, dans un instant, la suite du best-of de la semaine des grosses têtes. Bonjour, c'est Marc-Olivier Fogiel. Événement RTL. Emmanuel Macron, combien de députés La République En Marche réussira-t-elle un raz-de-marée? Ou l'affaire Ferrand fera-t-elle des dégâts? Les Républicains et le PS sauveront-ils les meubles? Le FN et la France Insoumise deviendront-ils les chefs de file de l'opposition? L'acte 2 de la grande recomposition, c'est maintenant, avec les législatives. Je vous donne rendez-vous demain de 19h à 22h sur RTL. Nous serons dans les circonscriptions clés, là où tout va se jouer. Vous entendrez évidemment les principales réactions et autour de moi les grandes signatures de RTL. Alain Duhamel, Nicolas Domenac, Olivier Mazerolle, Alba Ventura et Elisabeth Martich. À demain. RTL Soir spécial législative, demain dès 19h sur RTL. En partenariat avec TF1 et Kantar Sofres One Point. C'est parti. C'est le dire. C'est parti. 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 Il faut profiter maintenant avant que ça parte. Voilà, c'est ça. Pendant les jours C'est maintenant chez Citroën, bénéficiez de 5000 euros de reprise en plus de la plus sur nouveau Citroën C4 application. C'est maintenant, c'est pas après. Citroën. Offre valable jusqu'au 38 minutes, détails sur citroën.fr. Clarence vous écoute. J'ai tout juste 30 ans, moi bientôt 40. Et 50. Depuis un an. À chaque âge, votre peau a des besoins différents. Elle évolue comme vous. Alors Clarence a développé des soins anti-âge et très souvent. Pour tout achat d'une de ces crèmes anti-âge, Clarins vous offre de ses trois couleurs pour compléter l'efficacité de vos soins Clarins. Clarins, non, avant tout. Voir conditions et gammes anti-âge que c'est signé en partenariat en magasin agréé Clarins participant et sur clarins.fr. Aussi par Laurent Ruquier, Yann Wax, Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergault, Caroline Diamant et Chantal Latsou. Quelle ambiance! La question concerne deux Américains qui se prénommaient Bill et Bob, mais qui en 1935 aux États-Unis ont créé le cercle. Ah, vous avez raison, Péroni. Elles ont picolé, nos filles, aujourd'hui. Non, vous savez que je picole pas. Le cirque Freaks. Le quoi? Vous savez le film Freaks, la monstrueuse parade? Pas du tout. Mais non, en 1935. Un truc de club où il faut montrer patte blanche comme le Lions Club ou un truc. Le Rotary. Le Rotary? Non. Ah, alors c'est pas les mecs qui sont dans les Sofitel, les deux têtes des garçons, là. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a dans les Sofitel, il y a les patrons, des créateurs du Sofitel et des grands hôtels. Mais je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils auraient créé, alors? Eh ben, ils ont créé une chaîne d'hôtels. Ah ben non, bah dites-le carrément, alors. Est-ce qu'ils ont créé une enseigne qui existe toujours aujourd'hui? Une enseigne, on ne peut pas dire ça, mais quelque chose que tout le monde connaît et qui existe encore aujourd'hui, 82 ans plus tard. Black et Decker. Qui est très connoté américain, où maintenant ça a vraiment envahi le monde. International, ça existe en France. C'est un outil? Sous le même nom. Une marque. Est-ce qu'on va au BHV, au rayon outillerie pour l'acheter? Quoi donc? Ça. Quoi ça? Parce qu'on cherche. Ah mais c'est pas concret, ça s'achète.
C'est abstrait. Ça ne s'achète pas. C'est pas abstrait, ça existe. Ah. Ça ne s'achète pas. C'est une marque ? Une marque, en quelque sorte, mais pas vraiment, non. Est-ce que c'est un endroit où on se rend ? Oui, tout à fait, madame. Avec un caddie ? Non, madame. Ça on achète avec les loisirs ? Avec les loisirs, ça dépend ce que vous considérez les loisirs. Des musées, non, ils n'ont pas créé. Quand on y va, on dépense de l'argent ? Non, c'est gratuit. Est-ce que vous pouvez répéter les noms ? Bien sûr, Bill et Bob. C'était dur à retenir pour une actrice. Ils ont fait fortune. On voit que quand elle a du texte, elle a du mal. Hein. Elle a manqué boulet Bill, Laurent. C'est quoi les prénoms, Bill et Bob? Ils ont fait fortune dans un truc gratuit, alors. Ah, ils n'ont pas fait fortune. Hein. J'ai jamais dit qu'ils avaient fait fortune, monsieur Max. Non, non. Laurent, est-ce que vous pensez autour de la table, nous sommes tous allés alors, dans ces endroits-là? Alors écoutez, puisque vous me posez la question... Oui. Mon Dieu, moi j'y suis allé, c'est ça, et personne d'autre. Vous, je crois pas, mais il y en a bien deux ou trois qui, s'ils n'y sont pas allés, feraient bien d'y aller. Ah, et alors qui, par exemple? Ah, c'est des salons de coiffure. En tout cas, il y a une copine à nous qui est allée, ça c'est sûr. Les alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça ne s'invente pas. C'est Bill et Bob, deux Américains qui ont fondé les Alcooliques Anonymes. Après, c'est arrivé chez nous en France, évidemment, mais c'est né aux États-Unis. Ils étaient d'ailleurs eux-mêmes alcooliques, c'est ainsi qu'ils en ont eu l'idée. Sauf qu'ils ne sont pas anonymes. Ah non, maintenant ils sont célèbres. Le docteur Bob a pris son dernier verre d'alcool le 10 juin 1935. Et c'est à cette date qu'a été décidé qu'on retiendrait le nom de leur fondation officiellement créée, les Alcooliques Anonymes. Il a fait ça avec Bill Wilson, son copain. Bob et Bill ont fondé les AA, comme on les appelle parfois. Ça fait 85 ans. 82. 82, ça sent la rose. Franchement, vous pouvez nous le dire à nous, Jean-Jacques Perroni, vous y êtes allé ou pas déjà? Parce que j'ai dit qu'il y en avait deux ici qui peut-être avaient pu y aller. Mais qui... pourquoi j'irais? J'ai pas envie d'arrêter de boire. Ah ben voilà, ça c'est une réponse. Parce que il a pour pas envie boire... d'être anonyme en plus. Non, non. Et oui, c'est vrai. Non, non, mais pour boire, faut de la volonté, moi j'en manque pas. Mais ce serait qui l'autre? Ah, oh pardon, merde. Je sais que c'est pas moi. Ah, c'est moi, c'est ouf ça. Un petit peu quand même, vous auriez pu à un moment donné. C'est vrai, qu'est-ce qu'il boit de... Non. Si tu bois des bières. Bah oui, on boit une. Mais attends, toi, à moitié à poil au restaurant, toujours, tous les soirs, à danser toute seule la chenille. C'est dire, j'ai essayé une fois, je me couvre au cul, j'ai jamais réussi. Comme ça. Non, non, je crois que vous confondez, c'est la larve. Non, mais attends, mais je rêve. Elle était comme ça toute seule et elle faisait la chenille qui redémarre, personne derrière. C'est marrant, une larve qui danse la chenille. Non mais Chantal, c'est vrai, vous buvez aussi? J'adore la bière, oui. Ah oui, voilà. Ah oui, la bière, et puis ça, tout de suite, ça me monte à la tête. Non, une mais... bière, et c'est bon. Ah, quoi que Laurent aurait peut-être pu aller aussi aux Alcooliques Anonymes. Ah, oui. Moi, j'ai beaucoup bu, mais c'est fini. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc vous n'y êtes pas allé, Isabelle, alors? Non. Même pas aux Alcooliques Célèbres? Non, mais attendez, ça va, vous allez me faire passer pour quoi, là? Pardon? Déjà que j'ai du mal à pécho, alors ça va, ne faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Pourquoi vous avez du mal à pécho? Comment ça vous avez du mal à pécho? Un petit coup de mouf. Ah oui? Ouais. Ben, comme vous êtes, je vois d'ici votre... Bon, écoutez, je vois votre corps d'ici. Ah. Car il y a des trous sous, de, voilà, sous le côté de votre t-shirt. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de tissu, même. Là, franchement, je vois pas comment vous pouvez pas pécho ce soir. Mais ouais. Mais vous savez que c'est là-haut que ça se passe. Ah oui, alors là, d'accord. Ah ouais. Mais c'était arrivé déjà. Oh, c'est classe. Oh là là, non, mais franchement, l'élégance. Je suis sûr qu'on peut faire un sondage ici auprès. Mais arrêtez. Auprès des messieurs qui sont dans la salle, qui seraient prêts ce soir. Ah, déjà, les bites se lèvent. Les escargots sont tout chauds. Ah, le monsieur, immédiatement. Un jeune homme a levé la main. Regardez, il est prêt à repartir avec vous. Oui, il est même en train de se stiquer. Alors ça, levez la main, les messieurs qui seraient prêts à repartir avec Isabelle Mergault. Regardez. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. S'il y a même une dame qui lève la main là-bas. Non, franchement, voyez Isabelle. Levez la main, les bras courageux qui baiseraient Chantal. J'espère que je vous ai remonté le moral, Isabelle. Ouais, vachement. Oh, bah, si, écoutez. Soit dans la salle, il n'y a que des sourds, soit il n'y a que des aveugles. Non, franchement, relevez la main, ces messieurs qui sont prêts à partir. Regardez. Ils sont déjà beaucoup moins nombreux. Ils ont réfléchi. Oui, c'est vrai. Ah.
jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. RTL. Roland-Garros 2017. Ça y est, c'est fini, Isabelle Langer. Oui, la nouvelle reine de Roland-Garros a tout juste 20 ans depuis deux jours. Elle s'appelle Yelena Ostapenko, elle est lettonne. Elle était 47e mondiale au début de ce Roland-Garros. Elle vient de l'emporter en 3-7, 4-6, 6-4, 6-3 face à Simona Halep, la roumaine, 4e joueuse mondiale. Une formidable performance de cette gamine qui n'a pas eu froid aux yeux, qui a été menée dans ce match 1-7-0. Ça lui était arrivé trois fois dans la quinzaine ici à Roland-Garros et à chaque fois elle l'avait emporté. Et bien encore aujourd'hui, elle a prouvé qu'elle avait le mental pour aller loin, pour être l'une des meilleures joueuses au monde. Et elle vient de remporter à tout juste 20 ans son premier Roland-Garros, premier titre du Grand Chelem dans sa jeune carrière. Elle se verra remettre la coupe dans un instant des mains de Françoise Dur, la Française qui avait remporté le titre ici il y a 50 ans. Merci Isabelle. Et bien, c'était un beau match. Bonjour, un quintet plus, s'il vous plaît. Et voilà. Ouais, j'ai gagné. Mais vous voulez pas attendre la course au cas où? Même pas la peine. À peine joué, c'est déjà gagné. Du 9 au 17 juin, pendant les jours 100% gagnants, pour chaque quintet plus de 6 euros minimum joué, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 4 euros à jouer sur le quintet plus du lendemain. PMU, pariez sur vous. Voir conditions en point de vente PMU. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Zocook, cuisine équipée. Plouf, plouf. Entre le four et le frigo, que vais-je pouvoir m'offrir? Chez Zocook, pas besoin de choisir pour ma cuisine. Du 7 au 30 juin, c'est cadeau sur l'électro Beko. Pour un électroménager acheté, un offert. Deux achetés, deux offerts. Trois achetés, trois offerts. Et ça, c'est Zoo Electro. Zocook, cuisine équipée. 130 magasins en France. Voir conditions sur Zocook.com. La BD RTL du mois de mai a été décernée à Bastien Vivès pour son album Une Sœur. Antoine, 13 ans, s'installe comme chaque été avec sa famille en Bretagne. Mais l'arrivée imprévue d'Hélène, de 3 ans son aînée, bouleverse son existence. L'adolescente épanouie va lui inspirer ses premiers sentiments et l'initier pour la première fois à la sensualité. Retrouver avec Une Sœur toute l'émotion du passage de l'enfance à l'âge adulte et la douceur des premiers amours de vacances. Une Sœur, aux éditions Casterman, BD RTL du mois. Voilà, c'était le dernier carton. Reste plus qu'à emballer le vase derrière toi. Hein? Chérie, le... Thank you.
discours de tous ceux qui sont encore sur scène. Et le dernier show à l'Olympia de Petula Clark, c'était en 2015. Elle avait 83 ans et elle-même, sur scène, n'a pas pu s'empêcher de leur présenter ses excuses en disant « Nous n'avons pas assez répété ». Ce qui est assez fou quand on a 83 ans de dire « On n'a pas assez répété ». Son concert, c'était de la gadou. Mais je vais vous dire, le dernier album de Petula Clark, moi qui l'a... Magnifique. Il est magnifique. On croirait qu'elle a 20 ans sur l'album. C'est peut-être une réédition. Hein. La femme dont vous parlez... Dolly Parton, non. Une américaine, alors. On attend les adieux d'Annie Cordy aussi, qui n'a pas encore fait ses adieux à la scène, à 88 ans. Et elle va décider dans l'année qui vient quand elle fera ses adieux. Alors, Jordi a fait ses adieux à 12 ans, quand même. C'est vrai. Alors, et Isabelle Aubray aussi. Jeune Baise. Isabelle Aubray, elle a fait ses adieux, ça y est, c'est fait. Début octobre à l'Olympia, elle a 78 ans. Mais non, elle était dans le métro, il y avait des affiches partout dans le métro. Elle était dans le métro, bah oui, ça va. Il y avait des affiches dans le métro d'Isabelle Aubray où elle est les bras écartés comme ça, il y a quoi? Il y a deux mois. C'était une pub pour un déo. Non, mais elle était. Elle était dans la tournée à H-Tendre et Tête de Bois. Non, mais la tournée à H-Tendre et Tête de Bois, c'est une tournée collective, mais elle a fait ses adieux individuels en solo en octobre à l'Olympia. Je dirais John Baise. Je sais que vous ne baisez pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est une Américaine. Une Américaine. Est-ce que vous imaginez la tournée d'adieu d'H-Tendre et Tête de Bois? Ça va être pathétique. C'est une chanteuse de rhythm and blues? Une chanteuse de rhythm and blues. De soul? Ouais, de jazz. Aretha Franklin? Non, un peu tout ça. Mais c'est une noire, une femme noire? Ah non, elle n'est pas noire, non. Vérifiez. Ah, elle n'est pas noire. Michel Thor. D'ailleurs, 6, vous voyez. Oh, bah oui. Ça, oui. C'est pas Nancy